acclamons les rois des gloires. Kobetela mokonzi maboko. Mokonzi nabiso. Notre roi. Totomboli onakatesika. Nous t'élevons en ces lieux. Ozazambe mususu lokola yo azalite. Seul toi est Dieu, nul autre n'est comme toi. Et longa nabiso. Totomboli onaboko alelo. Nous t'élevons ce soir. Makasi ya Israël. La force d'Israël. Totomboli onakatesika. Nous t'élevons en ces lieux. Bomo inabiso. Notre force. Lobiko nabiso. Notre salut. Esengo nabiso. Notre joie. Papa, ozayon sopo nabiso. Tu es tout pour nous, Père. Kumisama libela na libela. Sois loué éternellement. Toye liboso na yo na pokwa lelo. Nous sommes venus devant toi ce soir. Fambo labiso. Bénis-nous. Lobela biso. Parle-nous. Simba biso. Touche-nous. Na eto jire ko zonkisa lokumu nyonso epai na yo. Nous jurons te rendre toute la gloire. Na kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Matondo pona présence na yo. Merci pour la présence de ton esprit parmi nous. Pona molimo na yo kati na biso. Na Seigne Saint-Esprit de Dieu. Je demande que le Saint-Esprit de Dieu. Contrôle absolu. Zo contrôle ya makambo nyonso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. To sambeli. Amen. Amen. To beteli Yesu maboko makasi vanda na place na yo. Na yambi bino banso na présence azambi na pokwa lelo. Je vous accueille tous dans la présence de Dieu ce soir. Et nandimi ete ke okobima awa lolenge okotite. Je crois que tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Cute ya pokwa lelo. Le culte de ce soir est différent denge yo moko moni. Et différent tel que vous pouvez le constater. Soki otali makomi. Si vous lisez dans les saintes écritures. Surtout l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Surtout Matthieu, Marc et Luc. Okomona ke, vous allez constater que temps en temps, tangonyoso, bazo poser question ya dengue ya dengue na Yesu Masi. On posait à Christ diverses questions. Est-ce que ezabongo te? Ezabongo. Batuana bazo poser na dengue ya mabete balingbazwa éclaircissement. Ils posaient ces questions parce qu'ils avaient besoin de l'éclaircissement. Alléluia. Amen. Le lenge wana, de cette même manière là, na poko alelo, ce soir, nanzela Yesu Masiya to telemi awa, par Jésus-Christ, par sa grâce, nous sommes là. Selon sa parole, les deux sont un. Nanzelo banaye bangomi balé bazamoko. Pona kopesa eyano na ba mutuna ba question ebele oyo. Pour répondre à nombreuses questions qui préoccupent nombreuses personnes. Et dans ce sens-là, et dans ce sens-là, tous nous allons apprendre. Alléluia. Amen. Tanga kene na makomo komona ke ba poser Yesu Masiya ba question ya dengue ya dengue. Allez dans les saintes écritures, vous verrez qu'on a posé à Christ diverses questions. Ba mususu a répond, ba mususu a zongi réponse na sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Et dans la réponse, et par ces réponses-là, nombreux auront des réponses à leurs questions. Et nombreux instruction. Auront de l'instruction. Le sambo nangai, ma prière, molimo santu, que le Saint-Esprit parle au travers de nous pour ce soir. Affecter pour affecter destiné à battre la destinée de certaines personnes na en ce kombo lieu. Na Yesu Masiya. Au nom de Jésus. Voilà. Na pesi papa Gauthier na ba équipe na ye parole. Merci beaucoup papa. Est-ce que Robert la Yesu Masiya maboko? Amen. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, tout petit ami, merci pour la pokwalelo, pour la grâce accordée biso, et tant que ma jeune, toute opportunité à cause de la liboso et à papa et à maman pour nous répondre à nos préoccupations. Et tout petit merci à papa et maman Joyce pour le privilège oyo à petit biso ma jeune au travers et à bandeko oyo tous en équipe pour nous poser ma question. Est-ce que vous pouvez te laisser sous ma sia ma beaucoup de amis. Voilà. Donc, tu as une série de questions. Voilà, question première. S'il y a des signes pour marquer les époques, les jours et les années, alors quels sont les signes qui marquent le temps de Dieu et le changement des saisons
dans la vie d'un homme, selon Genèse chapitre 1er verset 14. Donc, ce que ça bilembo oyo et tchaka ba temps pe ba saison ba jour pe ba bambula signe nini ezali pour na ko marquer tango ya nzambe to be changement ya saison na vie ya mwana nzambe songolo. On a question 1. Si nini ezo talisa tango ya nzambe oui. Na vie ya mwana na ye. Amen. Soit saison. Saison nzambe. Oui. Alléluia. Merci. Et tant que mwana nzambe normalement mwana nzambe yon soit rempli de Saint-Esprit, il faut azala na esprit ya discernement. Parce que dengue olobi selon Genèse 1 14 wana, la parole de Dieu dit que Dieu a fait des jours, des nuits et des années. OK. Quand même, Yesu alobi na parabole alobi soki ngonga elanga eye boye baka parce que boye bike ba makasa ezo kauka ezo koya na se bozo yeba. Comment se fait-il que beaucoup discernent le temps? Moi, dans Zambé Yonso, où il y a un molimo centre na katinae, a koki ko discerner le temps et les saisons. Il y a Zambé pour naie. Parce que loko yonso dengi totanga ki na Ecclésias chapitre 3 verset 1, albi toute chose a son temps et saison. Toutes choses. Maintenant, parle discernement. Okoyeba Yesu abotami par exemple ezabala moko abosami te abandi azeli aye mama dine to yokim na matia mama lobi na age ya 12 ans déjà na mokine na biso selon mokili na biso balobi 18 ans motu akomi mais na molimo ezabongote 12 ans abandi ko poser ba question e bandi wana mais na 30 ans abandi na 3 ans aningisi. So, pour moi, je ne sais pas, maman, mais discernement est moko yaba makambo est très important. Na ba question, na ba réponse est belé, papa, mo wana ya discernement est joué rôle. Parce que est partie ya action du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Il faut un esprit azambe ko discerner les temps, saisons. Merci beaucoup, papa. Toko betele, merci beaucoup. Mama, osana eloko. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La base c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui que Jésus nous a laissé. Il a dit quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Amen. Et il va nous conduire. Le signe c'est le Saint-Esprit qui te dira que c'est le temps est arrivé, parce que la parole de Dieu déclare, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Alors s'il rend témoignage que tu es enfant de Dieu, ce qui est le plus important, il te dira aussi à quel moment que le temps est arrivé. Voilà, exact. Amen. Merci. Amen. Donc, tu aurais tenu par rapport à la question 1, papa à l'obé. Sans y a discernement, maman lobby, direction et moli Monsanto. Question numéro 2. Une personne liée par les alliances et les lois établies de famille peut-elle être considérée pour responsable du gâchis du temps et des changements des saisons? Est-ce que Mouto a kangami na alliance ya famille na bango? Eza bazana kindo kina famille et kangie a oumele ti a koksi 50 ans a sel rote na vie nae. Est-ce que ça faute na ye moko? Voilà, na tanga ki na réfléchir ki likolo ya question wana. Ce que on doit savoir, on parle de nous en tant qu'enfants de Dieu, première place. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Mon peuple est son détruit. Faut la connaissance. Et ça, excuse-toi. Ce qui est au Yébi Zambénaïo et au Yébi, tu connais ta position maintenant en Christ. Et le Kowana, alliance de famille, hôtel de famille et tout cela, et Kokiko.
dominé yote. Parce que na prix oyo Yesu Masia afuta kina ekulusu. Osa deja na pouvoir. Ya domination. Likolo ya ba principauté et pouvoir. Pourquoi il a dit, vous marchez sous les scorpions et les serpents et sous tout pouvoir de l'ennemi. C'est-à-dire, Asia Matisio na position likolo na bango. Bako kite normalement atteint que moi na nzambi. Alors, résistez le diable et il fuira loin de vous. So, balien familier wana et ko kite et singelite et gâché destiné na yo. So ki oza moi na nzambi, oyo yebi droit na yo. Voilà. Amen. Voilà. L'homme de Dieu a le but, c'est question de conscience. Il y a identité en tant qu'enfant de Dieu. Question 3. Qu'est-ce qui se passe durant l'ignorance de la notion de la richesse et du temps dans la vie? Nigne comme la ramoutou, oyo a yébité, to aza ignorant, ne makambo et tali richesse, ya tango, na bon moyen moutou. Importance, ya temps. Na vie en mode. Conséquences dans mon ignorance ou bien sûr, il y aura des conséquences parce que tant que vous êtes ignorant, na ton, na où est-elle destinée na yo, au co gâché, et qu'on pèse au retard dans la vie, et qu'on sent la miséricorde ya zambe. Je te dis, parce que il y a des choses où yo et singeli déjà, toute la matière na. On parle de ce qu'on a prêché ces deux jours ici. Maman a dit quelque chose hier ici. Selon son témoignage, elle-même a lobby. Métier où il n'a maîtrisé, n'a maîtrisé qui, n'a yebaki. Naza na babiloko wana na sombi. Je me rappelle, écoutez même 13 ou 14 000 pour n'ako dédouanier babiloko wana. Mais vandi, mais amba pese vision mususu. Oyo lelo ndeyi ebimisie na mokili ezo sala. Ok, alobi eloko moko nandaku, alobi babongo wana na dipanse na koko na sina ke musika na metye oyo oyo azwi par revelation atangi an oklase me ezo annonse na mokili. Par exemple ozo mona, so tan a gâché ba tan a bebisi ba tan na makamwana. Mais or ce qui a si a sosoli a découvrir but ya zambe pona ye na vision oyo aza actuellement ce que a si a kei musika quelque part epesireta abi ero yo peut-être na zina kei na Italie na keko yekola ba makambo ya kuti wana ya haute gamme peza. Mais na minute oyo na makambo ezo leka na mokili eza difficile ozo mona. So c'est ça. Le temps, osa ignorant, osa faute, osa zambete, osa faute. Zambé, il faut tout tenir na place, ya perfection totale. Osa na faute te, osa na erreur te. Il est parfait. Dieu est parfait. S'il y a quelque chose, ça vient de nous. Et le quoi n'en est fou eba. Amen, ouais. Amen, 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 amen. Donc, pour retenir que conséquence, il y a ignorance ou un retard ou un moto quoi cumulé par rapport. Il y a vite au destiné Nzambe à préparer par rapport à la vie. Question numéro 4. Devenir grand, célèbre et très riche est-il forcément synonyme d'avoir réussi ou atteint sa destinée? C'est-à-dire, Moutou Oyo, a sali Moussala Kitoko, je crois, maman l'avait dit na deuxième jour, tout papa. Moutou a sali Moussala Moko, a komi na mbongo, a tongi mitu, a somi tu ka tongi mapango. Est-ce que tu crois que Moutouana a atteindre destiné na eto a réussir en go papa? Non, pas forcément, maman, loba. Non. Parce que normalement, ke o réussi ne loko, et lobite ke eza vision ya zame pona yo. Je crois que moi ou maman, na lobi, il y a des gens na yambi Moutou, a lobi, j'ai un bon travail. Mais nazo sepelate na musalawa na baye ezate ke passe eza musala kito azozo abongo me azo sepela na ngote parce que eza destin ya zambe te ponaye. So il y a beaucoup de gens ils réussissent dans un certain travail oyo bazo sala
mais l'opité que a kokusi destin ya zambe ponaye. C'est ça, maman. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. D'abord, premièrement, nous devons redéfinir la richesse. Voilà. La richesse, ce n'est pas le fait d'acquérir. La richesse est d'abord quand tu deviens une source de bénédiction. Parce que sinon, on va dire, tous ceux qui sont chez les diables aussi, ils sont bénis, ils ont réussi. Parce qu'ils ont ce que le monde peut voir, des voitures, des jets privés. Mais la richesse, c'est quand tu deviens une source de bénédiction. Il a dit dans Genèse 12, « Je te bénirai ». Tu seras une source de bénédiction. Les familles de la terre seront bénies en toi. Les nations seront bénies en toi. C'est ça la richesse selon l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas synonyme quand tu as, selon le monde, entre guillemets, tu es réussi et que tu es dans le plan des dieux. Est-ce que vous comprenez ce que je beaucoup? Comment c'est clair? Je crois que je devais passer la question 6, mais je pense que la question 5 est un peu d'importance, mon papa. Comment reconnaître notre saison selon le plan de Dieu? Je pense que c'est important à vous répondre. Comment reconnaître? Comment na koko yeba makanisi nzambe po na vinanga? Comment ya koko? Comment? Mais ebimaki na matea selon Jérémie 29. Verset 11, 12. 12 à l'obé, il faut okende. Comment savoir, vision, exemple, pour nous, n'est-ce pas? Il faut aller devant ton Créateur, celui qui t'a fabriqué, celui qui t'a formé, celui qui t'a mis ici sur terre. Azana plan pour nous. À l'obé, il faut me invoquer. Okei, na losambo, richesse. Okoti, na communion, na zambé. Pour oyeba, volonté. À un moment dans ma vie, je vais chercher cette livre, là, cet agenda. Et ça, agenda, il y a Nigerian Airways, Bakabelingai. Il y a Mboula, Moko, il est Kawana. Na komi, biloko yos, makamoyo, zambia, lobelingai. Na ba communion, nangai privé. Na komakan. Depuis Kala, naza matinal, na la mouka, trop tard, 4 heures. Tu peux demander, maman. Ata, na sina la mouki, ata na. Na komakan, makamoyo, zambia, zo lobelingai. Nazo sambela la kisanga vision na yopo na vina ngai ti zambia ekolobelanga nyonso na komaka na date na jour. Voilà comment reconnaître la vision de Dieu pour toi. Il faut seulement aller dans la prière, communion avec Dieu, parce que c'est lui, pas que un prophète m'a dit. Bien sûr, un prophète moka prophétiser yende zambe na yo. Même si un prophète t'a dit, tu dois aller toi-même écouter la voix de Dieu pour savoir. Zambe a confirmé yo eloko prophète wana alobi. Alobi. Amen. Papa, vous avez dit que depuis que la papa, tous les staff, regardez, nous avons staff. Atalanga neti wale, natale. Apôtre wale. Apôtre wale. Kabo yazo sasanga na koseka. Apôtre dit, il m'appelle apôtre dit. Na yebi le côté, naza staff pamba, na zui vision mon côté natango wana et le côté. Mais yebi eloko ndenge na longwe na boka muzu na ye awa deja yango ne babenga ka ki apporte. Un apporte, c'est celui qui quitte chez lui et a créé na place muzu et a installé. C'est ça qui apporte. OK. Na tango wana na kolanda eloko azol ba wana te. Mais un jour Dieu m'a appelé na yoki na komi. Et na partager na moko ya basali na senaye na ti yo ozwa Jonathan ozwa vision ok ko partager na na wale lo Daniel o bazana sena ye moko na soli na ite wana pesinga conseil lobi non vision oui mais ye ba ke vision ezana tango ya ko banda soko bandi avant eko bebisa makam soko bandi reta eko bebisa fo ye ba exact malgré que na zui vision o yo zo mona lelo to vandi a tsulo ba. Nazeli 5 ans encore. Parce que je dois être sûr que Dieu na landite oyo ke mutumako abzo benga ngai apporterait dit. So
okoki kolanda oyo bato bazoloba te, il faut kende devant ton Dieu, c'est lui qui t'a mis ici bas koyeba volonté naye. Amen. Donc to retenir pona bandeko batuna ki question comment nakoki koyeba makanisa nzambe pona vinanga na Jérémie 103 alobi. Yes. Verset 3 alobi, invoque-moi et je te répondrai. Yeah. Et je te montrerai des choses cachées. Et ces choses cachées au lingio yeba à propos ya destiné na yo. Il faut qu'elle ne vers lui. C'est tout. Pas de commentaires. Te mettre les sous masque ma beaucoup makasi. Rapidement, tozo le kanana na deuxième série ya ba question. On a les premières 5 questions et na bengi papa Gauthier, frère Gauthier pour la seconde. Suite à ma question, le bétélier soumassi à Maboko. Est-ce que vous bétélier soumassi à Maboko? Na bandi ke mutumoko aza satisfait na ba réponse oyo moli mo santu azoloba na nzela ya monoko ya basali nae. Est-ce que vous êtes satisfait? Que Dieu soit glorifié. Encore une fois, merci papa et maman pour na opportunité au bopesi biso. Papa, il y a une maman qui a posé la question. Alobi papa dayo nazwa ki vision que nazali na don ya ko sambela pona ba femme féconde. Oui. Obiso awa to benga kabango toujours femme féconde par la foi. Oui, par la foi, merci. Depuis 2020 nanu na salela yango te papa na sala nini azwa ki vision kaza na don a sambela pona ba femme féconde pour ba bota. Mais banda 2020, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer par un témoignage que l'apôtre de la foi, David Oedepo, avait témoigné. Il y a un homme, Dieu l'avait appelé, comme elle, appelé ses visions. Afin dit 20 ans après, à quel moment l'apôtre de la foi, à côté de Bura Fukami, papa, Nzambe, à Benga Kingai, depuis 20 ans, Nayel et l'osambe la polanga. L'apôtre a télémissia. Bitelema, telema, telema. Nous avons passé à Moussoukala. Nous sommes là. Après, nous visons 20 ans passés. Au salé, il y a un côté. Il y a un télémia. Nous avons passé à Moussoukala. Parce que Dieu ne nous attend pas. Alléluia. Dieu ne nous attend pas. Si elle, elle tarde. C'est à supposer que Dieu a cherché. Parce que chez Dieu, il n'y a pas une perte. Chez l'humanité, il peut y avoir une perte. Mais chez Dieu, quand toi, tu ne veux pas, il a dit, Mardoché a dit à Esther, si toi, tu ne saisis pas le temps, tu ne fais pas quelque chose, Dieu va chercher quelqu'un d'autre. Mais toi et ta famille, vous allez périr. Donc, c'est-à-dire, Dieu va chercher. Si Esther n'avait pas saisi le temps, qu'elle était la reine pour toute une nation. Elle n'avait pas saisi, Dieu allait chercher une autre reine. Donc la perte serait dans la maison d'Esther. C'est à supposer que Dieu a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Est-ce que vous mettez la yesubassi à ma beaucoup makasi? Merci beaucoup, maman. Et une autre question est celle-ci. L'ambassadeur de Dieu, papa Dayo Samuel, a l'obaka très souvent, tant qu'on a quitté Namboka Oyo RDC, on a $20 et à Pamba. Et il y a un des bottes Oyo Nyons. Mais un jeune comme moi, Azana Katiawa, a tout ni. Étant jeune conscient, vous avez un projet, mais vous manquez des ressources, entre parenthèses, par exemple, ressources financières. Pour réaliser ses projets. Que faire? Merci. Parce que papa d'ailleurs avait déjà, même si c'était $20, mais c'était une ressource. Merci. Dieu qui donne la vision, il donne aussi la provision. Quand je vous avais envoyé sans plus ni l'argent, avez-vous manqué quelque chose? Bah, répond Balobi, nous avons manqué de rien. Ça c'est un. Des deux. Ils étaient dans le désert. Nani a lobi balé kada désert. Zambé. Azo me mabango wapi. Na destination na mango. La parole de Dieu nous a dit, na Deutéronome 2, verset 7, que pendant 40 ans,
ils n'ont manqué de rien parce que Dieu était avec eux. Ils n'ont manqué de rien. Exemple, Nangaï, ça c'est vrai. Pasteur José Makumbi, il est vivant. Maman Safi est vivant. Ces deux-là, ils sont dans l'aéroport. Ils sont dans l'aéroport. Ok? Makumbi a yebi. Depuis avant, il y a un peu de natikali na 20 dollars. Après avoir acheté le billet. Et, natikali na 20 dollars, on a une poche pendant un mois ou deux mois. On a dépensé en côté parce que ma provision est au kaka. Parce qu'ils ont vision, ya zambé. Quand Dieu envoie quelqu'un, il serait toujours avec lui. Aïpsi Moïse, je serai avec toi. Va. Aïpsi Josué, quand j'étais avec Moïse, je serai avec toi aussi. So, là où il a la présence de Dieu, il a la provision. So, c'est ça ma réponse. Est-ce que Kobe te laïe soumassia ma boko makasi? Merci beaucoup. Ndekomoko a tous les questions parce que on a compris que papa Mutuna Mutazo a posé ma question par rapport à Makamboleke Lakaye na vie. Voilà. Alobi, pourquoi on retrouve des enfants de Dieu, des chrétiens, pauvres et parfois des locataires, tandis que les occultistes s'enrichissent, ils ont des parcelles. Pourquoi pas les chrétiens? Voilà. Maman répond. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que l'Église corps du Christ doit redéfinir ce qui est la richesse. Parce que nous avons pris la richesse d'une manière, je ne sais pas comment, on peut comprendre. Lui, il appelle les voitures, les maisons, l'argent, il appelle ça la richesse. Mais il ne sait pas ce qui se passe dans la personne en question. Parce que les vraies richesses, ce sont des dons qu'on ne peut pas expliquer. La paix, c'est une richesse. La joie, c'est une richesse. Mais l'Église corps du Christ ne s'est pas beaucoup appuyée sur ça. On a montré des autres choses. Voilà pourquoi moi, deux fois, j'implore la miséricorde de Dieu parce que les occultistes, c'est quand ils viennent dans les églises, ils ont le même message. Ils ont le même message que le diable leur donne, c'est ça. Parce que quand l'apôtre établi dit toujours, quand le diable a tel émissié, soit émissié, si tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Le diable, c'est ça qui, lui, il appelle la richesse. Mais il ne va pas te dire que tu vas manquer le sommeil. Il ne va pas te dire que tu vas manquer la paix. Pour lui, c'est ça la richesse. Mais pour nous, c'est contraire. Alors, pour lui, si il peut dire que bah, occultiste, bah, zonginda, bah, nanzambe, baza pauvre, ce n'est pas ça. J'ai un témoignage d'une sœur. Elle est venue une fois, elle m'a appelée. Elle m'a dit, elle était en face d'un grand milliardaire en Belgique. A ebisie, a kouti a zo sambela, a kinanda kou nabon pou babet a tennis. A kouti a zo sambela, bi me bino na Afrique, bo sambela, bo sambela ka. Vous n'avez toujours rien. Regarde comme moi je suis. Mais la dame, quand elle est venue dans sa chambre, la dame depuis 2h à 5h n'a pas dormi. Elle avait sa cigarette. Alors quand elle m'a dit, je dis, le Saint-Esprit ne t'a pas soufflé la vraie réponse. Parce que tu allais lui dire, moi j'ai dormi, moi je me suis réveillée, je suis en pleine santé, mais toi tu as la cigarette pour dormir. Et ton argent ne peut pas acheter ça. Et ton argent ne peut pas, voilà c'est ça le mot. La richesse dans le coup, c'est les choses que l'argent ne peut pas acheter. C'est ça la richesse. Est-ce que tu peux poser encore cette question? Pause. Posez. Pourquoi on retrouve des enfants des dieux pauvres, des locataires, tandis que les occultistes s'enrichissent, ils ont des parcelles, pourquoi pas les chrétiens? Ok. Maman a essayé à répondre, il n'y a rien à ajouter. Parce que
et loko biso tozo benga richesse. Moi na zambe ya solo oyo amiyebi na loba kango na matia na ngai pona batu oyo balandaka. Que Jésus-Christ, il est notre joie, il est notre paix. Tu peux avoir tout cela, château, jet privé, tout, mais okozala na esengote, okozala na kimiate, na lobi na yebi batu mususu bazo lala te. C'est-à-dire butu mobimbe leki po alala, alala ka toujours na 4h du matin. Alamuka peut-être 11h, 10h. So, mais azana yonso, mais azana esengote. Omona, nalobi dernièrement, un autorité na mboka mususu, aza numéro 1, azana nguya, azana yonso, azana miti miliade, azana yonso. Mais, richesse na ye, esombeliye, santete, aza AVC. Ozo mona. Mais, selon monde, et le kubabenga richesse yangwana. Or, selon Dieu, ce n'est pas ça. La paix du cœur, la joie. Et c'est seulement en Jésus-Christ que tu peux trouver cela. En dehors de lui, on peut trouver en côté. Yangwana, c'est bon d'avoir des choses là, comme lui-même a dit, mais ozala na katia Yesu. Alléluia. Amen. Okay. Est-ce que Robert est là, Yesu Masia, maboko makasi? Merci papa. Question mususu ezaboye. Ndeko moko azalaki touché na matea na yo, mais alobi que ye aza accro, on peut même dire addict, ya ba réseaux sociaux, téléviseur, ba causerie inutile. Alobi, par rapport à votre expérience, comment éviter de passer son temps dans la distraction, surtout na évolution en technologie à l'élo. Réponse de Guinakoy, c'est la vie spirituelle. Simplement, il faut spiritualiser vie. Tu peux demander, mon fils ici, ce que Moninga libosse à la télévision, ou bien à téléphone, tout le temps, biso, c'est toujours YouTube, Nazo Kamatea. Ce que Moninga n'a vendu, libosse peut-être Nazo Tala tennis, sport, c'est fini. Nazan a distraction mon côté. La vie est spirituelle. Ce qui a spiritualisé la vie, il sera délivré de ces choses-là. Parce que les réseaux sociaux ont en quelque sorte envoûtement. Et c'est envoûté Mokili. Et ba créer un go et envoûté Mokili. Ba créer un go et la net drogue. Au messani nango, au yebi drogue. Ce qui est en messani na drogue, il ne peut pas laisser. De battu ou ba créer et loco ou ya réseaux sociaux intention na bango na sima ya création et loco yo et comme ça battu neti addiction comme il a dit et loco et kokango la a spiritualiser vie na par la prière communion c'est tout c'est la seule moyen. Alléluia. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Et une question, Ndeko Lobi, il a un appel authentique de Dieu, mais il a perdu son temps dans la distraction. Oui. Est-il possible que Dieu fasse grâce pour se rattraper? Ouais, oui, c'est possible, mais essayez à peser, car Ndeko Lobi, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu dit, les années que les sauterelles ont dévoré. Zambé, so, c'est possible, mais c'est seulement que retawana eko kiko affectement moke, mais avec la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, il peut attraper parce que la parole de Dieu nous a dit ça. Que ba ané oyo ba sotere ba liaki ba dévoré zambé ako kiko restituer ango. Voilà, il faut de andi mazambe andi mask assemble la gare. Merci beaucoup Tobetelier Soumassia Maboko. J'invite ma sœur Aurélie à continuer la série à ma question. Une fois de plus, bonsoir. Je bénis Dieu pour ce privilège accordé par papa et maman de pouvoir poser des questions. Cette série de questions concerne le second jour, ça veut dire le deuxième jour.
Pour la première question, il y a quelqu'un qui demande comment faire pour connaître la vision de Dieu dans ma vie? Et puis il y a une seconde question, la chose qui me dérange le plus est qu'avant d'être baptisé, je ne marchais pas selon la volonté de Dieu, puis j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et là mes sales habitudes se sont multipliées. Donc pour la première question, comment faire pour connaître la vision de Dieu dans ma vie? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Hier, le Saint-Esprit nous a parlé. De foi, nos talents peuvent nous guider à connaître le plan des dieux. Mais souvent, ce n'est pas seulement nos capacités naturelles. Voilà pourquoi on recourt toujours chez le Créateur, chez notre Seigneur, pour savoir quel est le plan et le but des dieux pour nous. Amen. La deuxième question, c'est avant qu'il soit baptisé. La deuxième question, la chose qui me dérange le plus est qu'avant d'être baptisé, je ne marchais pas selon la volonté de Dieu. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mes sales habitudes se sont multipliées. Là maintenant, la sœur ou le frère, s'il est dans la salle ou si elle est dans la salle, elle doit d'abord revoir le salut. Voilà. Déjà, quand il dit que je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme, pas en tant que Seigneur, pas en tant que Sauveur, mais tu le reçois comme, ça diminue un peu. On a souvent l'habitude de le dire à l'église, mais une fois, mon mari et moi, on a dit, le français là, ça complique, mais c'est comme si je dis Aurélie est comme sa sœur. Tu n'es pas ta sœur. Mais quand je dis Aurélie est en tant que Aurélie, donc tu es Aurélie. Déjà, quand il dit j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur, il doit d'abord revoir le salut. Parce que la nouvelle naissance n'est pas un slogan. La nouvelle naissance, c'est une preuve. On doit voir les fruits. Parce que Jésus devient ta racine. Bien de fois, il peut avoir des handicaps parce que dans Romains, là maintenant tu vas entrer dans Romains 12, il a dit, c'est ton homme intérieur doit être renouvelé par la parole des dieux. Mais à la base, tu reçois Jésus en tant que Seigneur, c'est lui qui commence à diriger ta vie. Nous tous, nous sommes passés par là. De fois, tu veux marcher, de fois, tu te recules, mais que ça s'empire là. Le conseil que le Saint-Esprit veut lui donner ce soir, qu'elle revoie d'abord son salut. Ce n'est pas trop tard qu'elle revoie. Comment est-ce que, si c'était possible qu'on la voie, on allait lui poser la question, comment ça s'est passé? Parce qu'une fois j'ai évangélisé une sœur d'une église locale que je ne peux pas citer le nom. Je lui ai dit, tu es née de nouveau? Oui, je suis née de nouveau. Ah, je lui dis, comment ça s'est passé? Elle a dit, oui, dans mon église, on était venus, on nous a donné les affermissements, je suis passée par l'eau de baptême. Je dis, ce n'est que ça. Passer par l'eau de baptême, ce n'est que ça. Donc, elle-même, elle n'a pas rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la décision. La décision que toi-même, tu t'es dit aujourd'hui, j'ai entendu la voix de mon Créateur. Je veux qu'il soit mon Seigneur. Tu as pris la décision. La nouvelle naissance, c'est une preuve qu'on doit voir. Ce n'est pas de parler, comme il dit, j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur, mais mes péchés sont son pire. Non. Elle doit, par humilité, revoir le salut. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur? Deuxième des choses, aller dans Romains 12, face à la parole pour renouveler voilà. Ton homme intérieur. Voilà. Comme c'est un disque dur, ça commence à... C'est pas du coup, petit à petit, peut-être l'orgueil passe, petit à petit, le mensonge, petit à petit, mais que Ebakisama, Olé Longwa, par humilité, elle doit revoir le salut. Ça, c'est très important, deuxième partie, parce que disque du, mutema na biso ezadisque du, ezo enregistré makambo.
Mama kambosio kotisi ebele avon yamba Yesu eza wana. Yango Romain à l'obé 12, renouvellement de votre cœur antérieur par la parole. C'est-à-dire, il faut zonger là. C'est vrai, à quoi vous allez abongoli moutema. Mais aussi longtemps que côté oyo, parti bi oyo, il y a Romain 12, azo, aza sérieux nangote. Okotika mage ke ozo tatu la Yesu mazia na mnokome, otika lika naba vi wana yakala. Parce que, Tokyo, et loko tient na katia disque du yangonde zo apparaît na écran. So il faut effacer au tient loko mususu. Et loko mususu wana pona biso atange bana nzambe ezani ni liloba ya zambe. Wana nde ko changer mutu ko uta na kati après e ko affecter libanda. Mais soki azo sala ngote akuzala kaka na ba vi wana ya kala. Yango zo mona lobi peut-être azo sampire. Voilà. Parce que l'iloba zambe est transforma kamotu. Ça c'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pour la deuxième question, il y en a deux. La partie A, peux-tu changer ta destinée? Oui ou non? Pourquoi? Est-ce que vous avez bongo la sengeli osa la lobby? Bien sûr, oui. Okoko changer destinée na yo. La balle est dans ton camp. Zambe alobi, je mets devant vous la vie et la mort. Fais quoi? Je mets devant vous la bénédiction et fait. So, il faut évoquer tozana par na biso ya responsabilité. Et denge na lobaki na matea zambe apesio biloko akolia me akoya ko leisa yote zambe apesio vi apesio mayele et ozana saint esprit ozana lilobanae ozana nyonso. Ça dépend dans quelle main ça se trouve biloko wana zambe apesio biso attaque bana nzambe selon matia nangai na ibandelia moi o ya manifestation de la capacité de Dieu nalobi il a investi totalement lui-même en nous. Lui-même il réside en nous aujourd'hui. Son esprit est avec nous, sa parole nguya naye. So nous avons tout pour te changer destinée na biso mais esa volonté na yo moko. Balezana maboko nayo. Alléluia. Mutu azana big atiaka na vest. Ozo kitu zali omuna ba mwa che vest comme décoration na ami ba che big comme décoration na vest na bango. Eloko tie comme décoration wana mutu mosusu azo itire ko koma ko écrit ba livre ozo te kama ba million. Mais pona yo eza décoration. Ça dépend dans quelle main ça se trouve. Ok? Micro yo, mutu musuza zi yango, ememeli ye problème moko, ebomi ye même. Parce que azana maye lete yako jere, lo lenge bazo itize micro. Akomi ko finga batu, ememeli ye problème babomi ye. Mais mutu musuzu micro yo, etombo liye, et annonce ye na mokili. Ça dépend dans quelle main ça se trouve. Ok? Mutu mususu dengi na lobaka na sobi bal ya basket mwana nanga baniko tabasi yango na makolo na bi okobuka makolo nayo po eza makasi eza football te o eza ya basket ba beta na maboko me bal wana yazo beta na makolo azo sakara nango na maboko ya muto modikembe ezo kotsa ba million. So ko change destiny nayo eza na maboko nayo yo moko ozana pa nayo ya responsabilité Yako Sala. Amen. Tobetelie Sumaboko. Partie B. Y a-t-il des gens destinés à être pauvres? Voilà. Na question wana. Eza un peu compliqué, mais eloko na yebi. Selon la parole de Dieu, Zambe a sala ka acception des personnes. Il ne fait pas acception des personnes. Na oyo etali destiné ke a destiné yo oza la pauvre eza
volonté à Zambé. Zambé, Aza Zambé, Oyo Aza parfait. Alors, je ne fais pas l'acception des personnes. Dernier tour, tu connais le Deutéronome 30. En avance, verset 15, 16. Alobi, na tchel liboso da yon so bénédiction, malédiction, la vie, la mort, yo osala choua. Makambo belé ezo komé la biso na vie, ndeko, il faut to accepter responsabilité personnelle. Parce que ezali kambo ya choua. Mobali, zambi a choisi pour na yote, ou choisi yo moko. Ozo mona. Voilà. Il y a makamouzouzou, oui. Ma pesi yo kombo. Ou choisi te obota mana. Parents tel wana oui mais na oyo etali pauvre unini zambe apesi mutu nyoso mayele apesi biso temps moko 24 amen so yonde il faut oyeba ko utiliser ba richesse wana parce que na lobi le temps c'est un don de Dieu que Dieu nous a donné lo lengeni nyozo utiliser ton nayo et ko déterminer sort nayo. Alléluia. Voilà, c'est ça. Et pour la troisième question, cette question concerne les relations à distance. Il y a trois sous-questions. Pour la première, est-ce que cette relation est conseillée par rapport à la gestion de notre temps? Vous nous avez parlé de la gestion du temps. Oui. Maintenant, Moutou Azana Kinshasa. Oui. Femme ou homme, mais Molonga Ninaye ou bien... proposant d'aller à Zalibanda Yamboka. Boka, oui. Mais relation à Nabazo continue à entretenir Yango merci. À distance. Ko, en tant que Moussa Nanzambi. Oui, oui. Ozo déconseiller Yango, to ozo conseiller Yango. Merci beaucoup, merci. Je vais répondre avec témoignage à maman Moko. Peut-être c'est elle-même qui a posé cette question, je ne sais pas. Aye Komonanga, elle est venue me voir pour me dire papa, j'ai une relation. Précisément à l'États-Unis. Parce qu'elle est 13 ans. 13 ans. Alors, mais papa, beaucoup des hommes ici à Kinshasa voulaient de moi, balimba balangai, bazo proposengai. Mais nazo boya bango pona mutuwana. Omoni réaction na yo. Omoni réaction na yo. Si omoni réaction na yo, essaye répondre. Naïf c'est maman, mutuaza kuna, 12 ans, azo yate, que bolingo ya denge nini wana. Soki a lingilo, akofuta biye, aye kosala makambo wao. Papa, oyebi makama bolingo ezalaka mutua langwe. Yo lingi mutu ozo, zelisaye 12 ans, ya denge nini wana. Mama, longwa awa ozo lexatana yo pamba. Ngana lingi mwasi. Alléluia. Naïf si moi na soki na yoki kwen to beta masasi. Alléluia. Bona nini. Na lingi lokote ata nzinze ya kotete. Alléluia. Nga na bino nyonzi toko simba minduki. Bala moko. Est-ce que kobete la Yesu Masia ma boko makasi? C'est pas normal pour moi, un homme de Dieu, de conseiller que on continue à entretenir quel genre de relation. Tous en a comme sous moi na tanga komote. Boyeba exemple. Batoyo ba kanisa ka na pamboli bande ko bana na ngayo sona poto. Na bete ke poto izamabe. Mais sache toi avant de prendre décision songolo. Il faut savoir si tu es dans la volonté de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. So zambe alobi destiny na yo ezawa. Mais yo wana okena poto, o baby si. Mutu azo sala na bank songolo. O card bien payé a sutuki un jour. Akende na Europe. Depuis à Kenda, nous avons banda nanga et belé, nous avons mususu kadenge bavandi boyo, aza boko, aza avant ba fils de prophète au yonso, aza kiao. 13 ans, aza wana ni mikanda ni rien.
Oyo nazo loba atiki mwasi awa. Kozonga awa mwa ezali susté. Avani wana azabu sala atiki musala ya bank oyo azo zwa bongo sala okad. Mekuna aza chomesko. Libala ekufi. Yango moko ezate ke baling me ekeika adingwana. Osomona. So qui t'a dit que celui là qui est aux États-Unis 12 ans, 13 ans. Bozo entete azana mwasi te kuna. Ezan zoto oyo azana mwasi te kuna. Continuez. Pour la partie B, quelles sont les priorités dans la vie d'un jeune? Merci maman. Mais la maman m'a dit, je suis déjà 35 ans. 35 ans ou 40. Mboula ezo kende. Bazo proposé yo wawa, mais ezo boya. Pona moutumoko oyo. Voilà. Question, maman. La question est celle-ci. Quelles sont les priorités dans la vie d'un jeune? Nini oeza motuya pona bomo ya bilenge. Voilà, maman. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Hier, le Saint-Esprit nous a dit, après le salut, c'est d'abord aller chercher le plan et le but des dieux pour toi. La priorité, c'est d'aller d'abord chercher, parce que, tel que Matthieu 6, 33 nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Premièrement, c'est ça la priorité. Tu dois d'abord chercher ça. Parce que pourquoi? Parce que ça va même t'aider na makambo libala. Aujourd'hui, si tu découvres plus tôt tu connais. Quand j'ai rencontré par la grâce des dieux l'homme avec que Dieu a placé aux côtés de moi, par la grâce des dieux, je connaissais déjà la mission, la tâche que Dieu m'a donnée. Il y avait plusieurs proposants. Je me disais, le Seigneur, tu m'as appelé pour la cause de ton royaume, à intercéder pour les envoyés des dieux, à intercéder pour le corps du Christ. Si aujourd'hui je me tiens avec un politique, par exemple, un homme qui fait la politique, est-ce qu'il va accepter les prières toutes les nuits dans sa maison? Déjà, la priorité pour un jeune, c'est d'abord découvrir, même aux côtés de l'homme. Papa a été à Kabiso, dans l'école de l'esprit. Yohana Nzamba Bengio, comme l'apôtre Kokende, côté à Sangomalam, et au Kutanana, au test de l'air. Donc, la priorité d'abord pour un jeune. Elle est tout le temps partie. D'abord pour un jeune. C'est chercher le royaume des cieux. Et comment chercher le royaume des cieux? Comment, pourquoi Dieu, tu m'as envoyé ici sur la terre? Quelle est la raison pour laquelle je suis pour ton royaume d'abord? C'était quelque chose, par la grâce des dieux, qui me dérangeait. Je disais, Seigneur, je veux te servir. Mais je ne sais pas comment je veux te servir. La soif là. Je me disais, ah, je parle avec une petite voix, je vais chanter. Namekyo Yembabwe, organe. Par la grâce de Dieu, à l'époque, je connaissais le frère Mike Alambay. Je suis allée organe. Je suis retournée, mais c'était ma soif. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Et un jour, c'était mon jour, il a vu cette soif. Il a dit, aujourd'hui, regarde clairement. C'était clairement, tu es là à la brèche. C'est pas que tu dois aller chercher un département, c'est une mission que je t'ai donnée. Et aujourd'hui, je manque même les sujets. Des fois, quand je prie, je n'ai pas de sujet. Il m'a dit, tu verras beaucoup de faillites dans mon église. Tu vas participer plus là où on est en train d'insulter des hommes de Dieu, là où on est en train de les réduire. Mais pour toi, ce sont des sujets. Il y aura des sujets que je vais te communiquer, mais il y aura d'autres. Et depuis ce jour-là,
Je me disais, Seigneur, m'a dit, mais oui, j'étais appelée pour ça. Parce que Samson avait manqué. Israël n'était pas aux côtés de lui. Mais chez, derrière Délie, là, il y avait des Philistins. L'église manque des personnes pour Basimba Bamaboko, il y a Moïse. Alors, la priorité, c'est d'abord, parce que ça m'a aidé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'allais être avec un autre mari. Peut-être ça peut handicaper aussi le but que Dieu a envoyé, m'a envoyé ici sur la terre. C'est d'abord son royaume. Amen. Et pour la troisième sous-question, comment se discipliner et réparer nos erreurs? Ah. Comment se discipliner et réparer nos erreurs? Et c'est un cas de discipline aussi. Alléluia. Discipline en quoi? Tolobi au tombé na baero toloba baero ya dengani popi mana baero wana ekosega yo discipline munene belé. So question à poser wana des réponses aussi. Discipline dans la vie de prière, dans la vie spirituelle, c'est-à-dire ozawana au matisi dose y a vie de prière na yo, vie de communion na zambe. Ce sont des deux choses où il koko bimisayo pour bana ko zonge la vie ya erreur wana te. Parce que erreur suka suka eko bomayo eko boma destiné eko gache yon so ya yo. So la seule chose zambe apespiso liloba na ye dans sa parole ataliso dengenini ya ko tambola potambulate dans les erreurs. Ok. Et la vie de prière est en été essence au ezo pelisa moto ya molimo. Parce que ce qui esprit na yo eza likolo eko pesa yo force ya ko dominer ba faiblesse. Parce que ce qui ozo koya na erreur tout le temps esenga kaka vie discipline ya prière ya communion, c'est tout. Solution yangwana. Une prophétie de mariage déclarée par trois prophètes différents qui prend du temps pour se réaliser. Oui. Doit-on toujours attendre ou patienter cet homme? Est-ce qu'on doit attendre l'homme dont on a prophétisé? Donc, ma prophète Misset va passer une prophétie. Oui. Que Moutou Songolo, frère Patrick, akobala. Ok, bah presse frère wana akobala. Et bah le bien que Moutoutel akobala yo akozala boy boy boy. Prophète Amin balaye Moutoutel akobala yo akozala boy boy. Même personne. Même précision. Et prophète Amin sa tupe. Et voilà. Est-ce qu'il faut na zela kaka frère wana Patrick akobala. Neko soki eza ya zambe ekoko kisama. Bana nanga balobi ozoma quand un prophète dit quelque chose, ça se réalise. Yango zo lobake ezo laksake oyopeza ezaya zambe. Voilà, une autre chose parti muzuzu yangwana. Parce que na wuti ko lobatu tale. Vient que confirmer ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit. Parce que dans la nouvelle alliance, on n'a plus des voyants, le Saint-Esprit lui-même, il voilà. Nous parle. Voilà. Bien dit. Est-ce que kopete la Yesu Masia maboko? Et pour la cinquième question, comment faire un choix du conjoint pour préserver sa destinée? Comment faire un choix du conjoint? Maman a dit tout à l'heure, ce qui est une vision, na yo. Vision na yo déjà, et que tu as jari ya mutunini okoki kobala. Yangote makamu ya vision, eza mutuya. Ok? Nati na ipsi mama na bi omoni. Je voulais travailler na bi jamais okoko sala musala na se ya mutute. Selon ma vision. O sala fait o sala vision na yo ya yo oui. Parce que à tout moment zambe akoloba tozoke na hotel na Cape Town. Tozoke na Afrique du Sud, tozoke na Port Elizabeth. C'est que
nako senga yo senga autorisation ya patron na yo. Est-ce que ko simba? Voilà, eko simba tamkete talana no combo talana personnalité ya moto. Voilà, ça c'est une autre chose. So ce qui osa na vision yo jeune au yebi appel na yo vision ya zambe pona yo wana déjà eko talisa yo moi si soit mobali ya denge nini okobala nazo ipsa yo. Alléluia. Voilà, parce que sinon eko simbate okoko bala vision na yo eko talisa yo ke okokiko bala n'importe qui te faut tala nanu asalaka nini otalisi yango na vision na yo. So ki par exemple ozamu yembi mutu olingo bala aza pasteur oyebi ke simbi oyebi ke simbi. Voilà, voilà. So yango mutu na mutu ifaye ba vision na ye po eko kwa otalisa yo jari ya mutu denge nini okokiko bala. Par exemple nalo baboye mama dey to sala baza militaire aza celibatanga na moni aza ki militaire eh militaire colonel oyebike bazali to sala mama colonel kuna oyebike musala ningashi ko naza pasteur nazo balai oyebike ba trans ba ba batinda kabango bakolo balelo imitation akende na mission de service na Kisangani. Kisangani. Papa nanga za militaire naebi. Naebi mboka Nigeria patu parce que toksa dozo nawa batini bino. Bo sali dozo kuna batini bino. Bo sali kaka bongo. So siko eko simba denge ni ngai na za pastor na za eglise. Ye za balobe yake ne kuna. Omoni ke eko simba te. So yangonde ifo ye ba mutu ya denge ni vision na yo po ye ba mutu ya denge nini okobala. Hein? Question pendant le fiançailles. Oui. Avant beaucoup de musique. Merci voilà. Beaucoup, papa. Tobetelie Soumaboko. Je vais passer le micro au frère Glody pour la continuité des questions. Merci. Bonsoir. Papa, est-ce que Dieu peut destiner quelqu'un à faire la politique? Pourquoi pas? Tout ça, la politicien dans la parole de Dieu. Basé Bélé. Il y a des politiciens. Daniel était là, il a quitté. Aza politicien. Baninga na baza politicien, baza politicien mais baza bana nzambe te mais yaza bana nzambe. Ba comploter contre il ba Joseph P Premier ministre, aza politicien. Et sa vision, moi, je suis appelé à tant qu'aime Dieu. Mais yo mukuna glory. Okoza nzambe abitindi okosa la politique. On a besoin des enfants de Dieu dans la politique. Voilà, Joseph aza politicien tout fait mais aza mwana nzambe et zambe a ipsi eke okozala mokonzi oko dirige tellement que papa maman na ba onse le bako gumba mbela yo c'est ça et tomoni ke akome premier ministre. Et comment on va influencer si on pénètre pas tous ces domaines domaine essayez tous à représenter parce que nous sommes le sel de la terre. Le sel influence, il n'est pas influencé mais il influence. Dans le sel de la terre, nous devons influencer tous les domaines. Voilà. Wow. Merci. Papa, comment préserver sa destinée face aux épreuves? Comment? Préserver sa destinée face aux épreuves. Face des épreuves. Hein? Épreuves de la vie. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Je vais te dire que malgré que tu es appelé, Dieu t'a parlé comme ça, toi-même et Dieu, comme Moïse beaucoup t'a dit. Bah, prof, et quoi, Yesu ye moko zambe akiti na musuni. Aleki na ba prof. Ba fingi ye. Ba lapide ye. Ba tongi ye. Makambo ebele. Alinga kota na village, vous balobi au kota te. So, ba prof, et quoi, mais ce qui est vrai, ce qui ozo tambola, selon la volonté de celui qui t'a appelé, tu auras okoza sécurisé, okoza protégé. Okolonga ba prof wana parce que ba oyo nyoso ba botamina zambe ba longa kamokili ngai par exemple na lekina ba prof oyo bino nyoso boyebi mais dans tout cela parce que je suis appelé de Dieu et je sais que Dieu m'a appelé zambe azo longi sanga e ba
et prof Yonsoan. C'est ça. Mais que peut-être parce que tu es appelé de Dieu ou que les Kanaba et prof te waya wana okosi. Ekoya peza ebele. Merci beaucoup papa. Merci. Frère Mora, tu as une question à l'obi. Comment faire si ce que Dieu t'a appelé à faire diffère de ce que tu fais? Ce que Dieu t'a appelé, appelé à faire. Comment faire? Comment faire? Ce que vous avez dit, il faut relocaliser. Parce que l'obi, comment faire si ce que Dieu a appelé à faire diffère de ce pas que ce que tu fais? Voilà. Il faut changer. C'est ça. Et sous question, il dit ce que vous avez volé bien, sera en déni. Ce que vous avez volé bien. Mais il faut te dire que vous avez volé dans les locaux. Et l'objet est que nécessairement tu es appelé. Beaucoup évoluent. Vous avez évolué dans le monde, mais vous avez essayé. Vous avez complété. Parce que vous avez quatre volontiers à Zambété pour nous. Ça, c'est très important. Voilà. Mettons aux autres qui sont là, mon cousin en haut. Nzela wana te. Voilà. Moza na vitesse. Mais ozokene. Et la qui se ote ko zokoma. Oko komate jamais? Parce que eza nzela na yote moza na vitesse. Oko komate? Na moto azokende nzela na ye mazoke malembe. Lui par contre, il va arriver. OK. Bien. Une sœur a demandé comment reconnaître les acteurs ou accompagnateurs de ta destinée. Exemple Samuel pour Saül. David pour Jonathan pour David. Merci. Exemple Samuel pour Saül et Jonathan pour David. Dame Naebi, Nathan, question wana. Na lobaki mo moko quand on est en train de partager avec maman, ça demande seulement discernement. Alléluia. Parce que toza engagé na œuvre spirituelle, il faut discerner. Par le Saint-Esprit, banani bakokozala ba accompagnateur na yo, sinon on risque oza na ba Judas. Alléluia. Wana ekosenga discernement. Tala par exemple, Judas azaki bien, Pierre azaki bien, mais la parole de Dieu nous avait dit Satan a entré hein, Judas. Mais Jésus a discerné ça. Abi, oyazo moko na bino azo tient le boko na sani nanga akosa nini? Awo trahinga. C'est ça le discernement. So zo sala musala, il faut discerner banani bakoko zala pembeni na yo, ba Aaron na yo. Soki o discerner ngote bako buma yo musala. Ka bango bakubaluka bakomi ennemi na yo. Ozo mona. Et la plupart batu bakoma ka enemi na tindi yango na satu na ngai un de ces jours batu oyo osungaki batu oyo pamboli batu oyo o bomivi bangonde babaluka ka contre yo suka suka na ye bakate mais c'est ça la réalité. Voilà ça, so discernement. Merci papa. Voilà. Un homme de Dieu a posé la question: quand une personne prédestinée à la grandeur meurt sans pour autant réaliser son but sur la terre, est-ce que cela est une perte pour Dieu, pour l'humanité? Est-il possible d'y remédier, soit corriger cela? Et là, comment quoi cause la perte pour la Zambé? Zambé à côté de la Zambé. Tango Eli a lobi, je suis resté seul. A lobi Nazana, Nazana combien? Nazana ba prophète combien? Ok. Oyonanu ba gumba beli baalte. So Zambé à cause de la perte, lui-même, la personne lui-même. Ok? Parce que Zambé, Azazambé, Azana mille moyens. Ce qui, au vision na yote, à côté le misa, moutoussous. Neti, histoire à Catherine Coleman. Alors, je crois que vision, est destinée na moutoumoko. Tango moutouango a te, de Zambé a tindie. Alors, bakango Catherine Coleman. Voilà. C'est comme ça. Si on peut acclamer le Seigneur. Une dernière question. Un frère a demandé comment suivre le plan de Dieu sans tomber après l'avoir découvert. Sans tomber. Est-ce que quand on a le plan de Dieu, on peut aussi tomber? Quand tu as le plan de Dieu,
C'est possible, ce qui aux autres tambourlatés selon les principes de Dieu. Ça peut arriver. Mais si aux autres tambourlatés selon les principes naïe, en tout cas, au kokoyate, vision pe kokoyate. Yeba ke mutumokote apesi yo vision. C'est Dieu qui t'a donné cette vision. Et si une vision vient de Dieu, Dieu a toujours cette habitude à yeb sa mutunyo soatindi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Va dans cette force. Malgré faiblesse na yo, je serai ta force. Comme Aïpsi Jédion, je serai avec toi. Aïpsi Jérémie aussi, Koulobate, que je suis pété. Va parler. J'ai mis mes paroles dans ta poche. Mais yo, dans ton côté, en tant qu'être humain, il faut au tamboula, dans sa principe, ou en ande, qu'on a la couverture pour nous. Mais dès qu'on a au tamboula, libanda ya principe, ya zambé, en tout cas, il n'y a pas de garantie que vision wana eko kokoya te, eko koya, bien sûr. Papa Théa Kibiso, l'autre fois, le premier jour, le temps n'attend pas. Tous en a pas question, bandeko pas en a pas question, mais Gongaizo le ka et na autorisation à papa, on va passer aux dernières questions. Merci. Pour na clôturer na poko alelo. Papa, c'est une question et outi na ndeko moko na Belgique. Eza na deux volets. Premier volet, ndeko landa ki na nzela ya ba. Dans les médias, alobi, à quel moment de la vie peut-on prendre les plans et le comparer à notre vie pour voir si les images sont identiques? Car à une époque de la vie, tout marche bien, puis tu rencontres des problèmes et tu vois réellement comme si Dieu t'a oublié. Où devions-nous attendre l'enlèvement pour pouvoir comparer les plans et ce qu'on aura vraiment vécu? Donc ça veut dire on ne peut pas attendre l'enlèvement parce que j'ai dit bien hier plan yangoyo omoni basala ka plan maquette omoni penza tina finissage OK kitoko oluli olubi anda ko kitoko ozomona ona plan nanu esalamete OK plan ya vie ya mutu na mama lobi destiné za vie na yo maintenant. Je vais lui répondre, première étape là. Na plan, parce qu'à l'objet, dans la vie, pas problème, ok. Même na construction, il y a plan, wana, tant que vous avez dit ça, plan. Na kati, au monde, ke, parfois, batongi, basali, après, babuki, babandeli. Bakuta, il y a un défi. Nako construit ko tie plan wana e ko kana bakuta na ba défi na nzela. Alléluia. Praise the name of Jesus. Na pesi tango tozo méditer na pesi exemple ya Joseph. Zabe atalisi, j'ai déjà prêché quelques années que Dieu ne parle pas en détail, Dieu parle en gros. Joseph, vision, tu deviendras grand. Papa, maman, les 11 frères, bakovu, c'est fini. Mais est-ce que Aïepsi Joseph, que un jour, votre frère, vos frères là, votre frère, 11 frères là, on va essayer à te tuer. Zambé Aïepsi, makamouanate. Est-ce que Zambé Aïepsi, que okokota na boloko, Zambé Aïepsi, wana, mais tout cela, Zambé Aïepsi, parce qu'à l'obé, Dieu qui connaît la fin des choses dès le commencement. Et là, comment côté se prendre à cahier. Vous comprenez. So, na plan aussi. Plan yango, mais problème est qu'il y a na katia accomplissement ya plan wana. Mais aussi longtemps que vous tombez dans la volonté de Dieu, plan ya zambe pona yo et koko kisama. C'est ça. Netingai par exemple. OK. Il y a makambebele na leki. Mais je suis convaincu. Mais na katia kokokisa destin nangai awa na Congo. Talana papa nangai zalaki awa
na botami azala kite babani ko benganga prophétiquement sans que lui-même savoir moi na Congo Congo boy ko na koliti na yoki Congo Congo boy lelo eko kisami maintenant soki na yebaki ke na ko accompli vision yo un jour ba ko beta ngai masasi oyebi ke na ko kima. So Dieu ne parle pas en détail, il parle en gros. Mais nakati lobite ke nakati accomplissement à plan wana okoleka na ma défi te défi ko ya. Yesu il est venu sauver le monde, mais tala makambo e komelie. C'est ça, c'est partie de la vie. Merci papa. Deuxième partie à question naye. Alobi parlons des accidents de la destinée. Oui. Beaucoup de enfants qui deviennent grands, des stars, des présidents même, des personnes élevées ont été soit rejetés ou conçus des relations hors mariage. Donc, par accident, ils deviennent grands. Pouvons-nous affirmer que ces accidents sont occasionnés par Dieu lui-même? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que Dieu a occasionné, mais il a dit, il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. La chose peut être mal aux yeux des hommes, mais Dieu, il va prendre cette chose parce que tu es appelé pour son dessein. Il va concourir ça pour ton bien. Ce n'est pas que Dieu est à la base de ces accidents. C'est le diable qui a triple mission de détruire, d'égorger et de tuer. Mais Dieu n'est pas à la base des accidents. Dieu n'est pas à la base de tout le mal que nous voyons. Mais il peut prendre ça pour faire concourir ça pour ton bien. Et ce que je vais ajouter, Isa, Dieu connaît tout. Il sait comment il va te faire sortir. Il va utiliser cet accident-là pour ébaluka pour na bolam na yo. Ayebi. Nati Joseph. Ayebi. Asi amonike eloko yo. Il n'est pas derrière. Il a des choses, Dieu voit, il permet. Comme Job, par exemple. Il a permis. Ça, là, il y a des choses, mais. Mais, souka, malgré tout ce que Satan a fait, Dieu a restauré la vie de Job double fois plus que par avant. Voilà. Merci. L'avant-dernière question. Est-ce que l'organisation de l'Église met sur pied des séries de formations pour les jeunes? Encadrement. Encadrement. Mais je crois que c'est ce que nous faisons. Ça fait partie. Et aussi l'école biblique, ça fait partie. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, on enseigne dans l'école biblique qui peut affecter la vie de quelqu'un. Métier, voilà. Ouais, peut-être, il disait peut-être faire des formation de métier, couturier, charpentier. Les ateliers, formation professionnelle par exemple. Voilà, mais ça dépend si le Saint-Esprit nous disait de faire ça. Parce qu'il faut, toutes choses, on doit écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a des centres de formation pour faire ça, mais qui est église. Ouais, si Dieu nous dit de faire ça à la longue, parce que chaque chose a son temps. Et le coyon so ba zo landa, c'est long. Parce que tout comme il est long, nous avons Samaj TV, mais tout bani na Samaj TV. À un moment, Samaj TV est yé. À un moment, publication est à livre yé. C'est ça. Et le coyon se entend, on a reçu tout ce là. D'abord, premièrement, Dieu a appelé les apôtres, les prophètes, les pasteurs pour le perfectionnement des saints. Parce que notre but, c'est d'abord chercher les choses d'en haut. Les apôtres sont placés pour nous perfectionner, pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Mais l'Église peut mettre en place les métiers, ce n'est pas aussi mauvais, quelque chose de mauvais. Mais la première des choses, c'est pour que nous soyons perfectionnés intérieurement. Merci beaucoup. La spiritualité. Est-ce que tu veux te laisser sur ma scie à ma boco? Avant de prendre la dernière question, nous avons rappelé à Moutoumon Kouazana Katiawa que la question est posée et la question est bimi na Katia Foul. Et c'est que papa Dayo Ayo Kanina Bananae va poser la question Moko Boy.
même si oyo ki questionne ayote, c'est juste question à temps. Et yo oza na kati awa, ce qui oyo ki questionne ayo, okoye sa voisin ayo ke question wana eza question ngane na posaki pour azala sûr que ezalite ba yo kanaki, mais eza question oyo outi na foule oyo boli mo santu à répondre dans zela ba salina. Ça c'est bien. La dernière question, papa. Merci. Ambassadeur Dayo Samuel, que pensez-vous profondément pour notre jeunesse, précisément en République démocratique du Congo? Voilà. Ce que je vais dire, la jeunesse d'aujourd'hui doit vraiment s'approcher à Dieu plus que d'autres générations passées. Parce que cette génération, si on peut dire la vérité, c'est pire que les générations passées. C'est-à-dire que le défi, la jeunesse, la génération qui a subi, est tellement énorme. Comparé à Tango, il y a Koko Nabiso. Masumu et matina de haute degré. Bolingo ya pona makumazambe ezali soute. Il y a trop de distractions. Quelques années ici, tout le temps, on a un téléphone, neti minduki, neti micro nangai, telesel, aussi mi angwe za kilo. Makambo échange, tala dingi makambo zo chande. So, mais ce que je sais, la parole de Dieu dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Voilà pourquoi Nalobi, la seule chose pour jeunesse aujourd'hui, va s'approcher na Zambe, ba kangama na Zambe, c'est ça la solution. Parce que makambo e yindi koleka ba génération yonso. Ko kangama na Zambe nde e ko sauve yo. Merci beaucoup papa. Est-ce que tu remets la Yesu Masia maboko makasi? Merci papa, merci maman d'avoir accepté ya ko répondre na ba question ya ba jeune oyo bazo landa bino to sambeli kaka Nzambe oyo apesa bino manda oyo a continuer ko bate la bino. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que to bete la Yesu Masia maboko makasi? Alléluia. To bete la Yesu maboko makasi. Na lingi taka dengi ovani wana tombola maboko na likolo. Élève tes mains tout en étant assis. Tozo tombola Yesu Masia. Nous allons élever Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Calmement, calmement, comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es au-dessus de Yahweh, 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 Totombolio, Likolola. Toto molio, nabi nabiso. Toto molio, oh oui. Tu es élevé. Tu es élevé, glory to God, au-dessus.
Egalo masobara tabado Egala mayera baya tabasenderere Mesobare kato bare kato barato bare talabazo bayandere Miséricorde, miséricorde, miséricorde de Dieu masobara tabado Egalama yegedebe segedebe segedebe Egalama yondo borobo shendebe riyalaba Ori mamo 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 mama yekaroba chalabo sabayade miséricorde de Dieu masoba regadu bayate Megalaba yegedebe sheraba yenderere Mawana yo papa mawa mawana yo masobaro Egaro barapate galaba yate bado Egalama ye kerebe shandaba yendere Egalama yanto borobo shilabaya Egalama ye galoba borabaye tagabato barabayande Hallelujah Erabo mashalabo Mawan mayo papa masobara yandere Egalo masare baro shabayato bayande la miséricorde de Dieu la miséricorde de Dieu la miséricorde la miséricorde de Dieu ma shobarabaya eramaya terere eramayo mandalabaye terere la miséricorde yes Nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous implorons ta miséricorde sur nos destinées. Destinées ratées. Toutes destinées ratées. Destinées ratées. Destinées ratées. Cachées. Nous implorons ta miséricorde pour tes temps perdus. Les temps perdus. Ta miséricorde, Dieu, ta miséricorde. Ta miséricorde. Mawanayo. Tu as dit dans ta parole. Et comme amine l'omanayo. Ta miséricorde est renouvelée chaque matin. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies. Et belé nabiso. Nombreux parmi nous. Ton baby singonga. Nous avons gaspillé le temps. À cause de l'ignorance. Et belé nabiso. Nombreux parmi nous. Nous avons retardé nos destinées. Parce que tu y habites. Parce que nous ignorons. Mais devant toi,
Tu as dit, nos peuples sont détruits faute de la connaissance. Ignorance. Yango tobeleli miséricorde na yo na pokwa lelo. Que nous implorons ta miséricorde ce soir. Mawa na yo likolo na biso. Ta miséricorde sur nous. Poete ton rattrapé oyo to sito berdaki. Afin que nous rattrapions ce qui était perdu. Oh yes. Miséricorde de Dieu. Mawananzambe. Miséricorde de Dieu. Mawananzambe. Miséricorde de Dieu. Mawananzambe. Miséricorde. Mawananzambe. Masho parata kayate. Ekalo sopotalia mahaya. Ekorika pata kayate kedege. Ekalaka pata kayate kepede. Ekolopo kosakata kaba. Ekaluba kayata kaba yekede. Peut-être que vous êtes là ce soir. Vous nous avez écouté. Deux jours, trois jours. Durant ces trois jours. Et aux hommes, loba. Mais tu te dis. Na le kisimbula. J'ai gâché le temps. Je suis âgé. Na komi mokolo. Ngongaranga ekei. Mon temps est passé. Mais je suis ici pour te dire. Na eko ebisayo. Le Dieu de la miséricorde. Nzambe oya mawa. Il est encore actif. Il est vivant. Le Dieu qui a donné la vitesse à prophète Élie, qui est en train de partir avec son pied, et roi Akab avec le chariot. Mais Élie a arrivé à l'autre côté. Il a dépassé roi Akab. Ce Dieu-là est actif ce soir. Nassemble les miséricordes et gagne la vie. Que sa miséricorde parle dans ta vie. Et l'aube dans la vie. Que ses enfants ne combattent pas Jésus. De Jésus. Si je suis assis devant vous ce soir, ce qui n'a pas dit libre son habit n'a pas quoi. Je suis seulement victime de la grâce de Dieu. Nazaka mutu na zingolo na nzambe. Comment un homme qui a perdu sa tête? Le langeni ni moto a bela moto. Mais moi, il est devenu fou. Azanga ki maye la comme mon libre. Mais le aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu l'a restauré. Élevé à tombolier. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce est active même ce soir. Je prie pour quelqu'un. Grâce à Zambé et attrapé. Na place au Telemina Minito. Grâce à Zambé et attrapé. Il y a des gens. Et ça n'a pas tout. Il y a des femmes ici. Et ça n'a pas tout soir. Ceux qui ont. Si Dieu devait montrer sa vie passée, tu auras honte. Mais elles sont là. Grâce à Zambé a attrapé Bango. La grâce de Dieu les a rattrapés. Nassambeli, je prie. Grâce wana. Que cette grâce là, Aza vivant, qui est vivante, il est actif. Azo salamo sala. Grâce à Zambé a relocalisé yo. Na kombo na Yesu Masia. Yango to tombolie na kate sika. Voilà pourquoi nous l'élevons en ce lieu. La grâce qui est apparaître à tous les hommes. Son nom c'est Jésus Christ de Nazareth. Je prie. Ata omoni neti ngongana yo ezatlete kei. Mais si tu as vu comme si ton temps était écrit. Grâce wana. Que cette grâce là est attrapée yo. Puisse te rattraper. Et localiser yo. Te localiser. Et relocaliser yo. Relocaliser. Na kombo na Yesu Masia. Et pesa yo vitesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Motomoko alobi. Quelqu'un dit. Jacob veut Rachel. Alinga ki kobala Rachel. Mais quelque chose se passe. Kasili kambo salemi. C'était Léa. Ezala kinde Léa ba pesa ki. Qu'est-ce qu'on fait? Ko sala nini? Qu'est-ce que Rachel a fait? Qu'est-ce Rachel qu'elle devait faire? Elle a rien fait. Asale lo kote. Elle est seulement là. Azala ki wana.
Mais la grâce de Dieu l'a relocalisé. Jacob a refusé de partir. Jacob a boyiko kende. Il a payé le prix. A salué singla ka sala. Et suka. En fin de compte, grâce à Zambé et racheté. La grâce de Dieu a racheté Rachel. Rachel. Nasambeli, je prie grâce à Zambé que la grâce de Dieu ait localisé Rachel. Qui a localisé et Rachel? Et localisé Esther. Qui a localisé Esther? Malgré que Aza étranger. Bien qu'elle était étrangère. Aza na yusu contre lui. Elle avait tout contre mais elle. Mais grâce à Zambé et localisé Esther. La grâce de Dieu a localisé grâce Esther. Grâce est localisé Yopé. Na kombo na Yesu Masia. Et positionné yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et suka neti Paul. Comme Paul, enfin. Dès que grâce à Zambé, ma kéke Azambo Bomi. Bien qu'il ait été grâce à Zambé et localisé Paul. La grâce de Dieu a localisé et Paul. Paul a yekoloba. Il a dit, j'ai fini ma course. Na sili si mosala nangai. J'ai fini ma course. Na komi na suka. Ma kéke na bunda ki me na sili si. Yo pe un jour. Okoloba, Ngolu Azambe localisé Gaï et j'ai terminé ma course. Yaba Goluana Kombona Yesu. Yaba Goluana Nabutu Alelo. Yaba Goluana Nabutu Alelo. Au nom de Jésus, de tout mon cœur, Namotema Mobimba, je vous bénisse. Na Pambo Libino. La grâce qui nous a relocalisé. Cette grâce. Goluana. N'est pas mort ce soir. Akufate na cette popolelo. Grâce est vivante. Goluana zana bomo. Pas seulement vivant. Kakate na bomo. Il est actif. Azana mosala. Et cette grâce est apparaître à tous les hommes. Goluana bimeri batonyo. Nayo moko na kati. Le sabo nangai. Denge zozo clôturer na butu alelo. Denge no clôturer. Grâce wana est localisé yo pe. Est localisé aussi. Na kombo na Yesu. Amen. Vous êtes bénis. Bo pambola mi. Denge to tomboli offrand na biso. Denge nous présentons na nos offrandes. Na pamboli semence na yo. Je bénis ta semence. Et ganga po na yo. Que puisse crier en ta faveur. Miséricorde ya Zambe. La miséricorde de Dieu. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Denge semence ya Noé. Denge na semence de et Noé. Et ganga ki po na ye. Avait parlé en miséricorde ya Zambe. Pour la miséricorde Zambe de Dieu. Zambe a changé ma Dieu a changé sa pensée. Pour effacer l'humanité. Pour effacer l'humanité. À cause de l'offrande de Noé. À cause de l'offrande de Noé. De la même manière. Et parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Tosambeli. Amen. Amen. Jésus. 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 Totombolio. Likolo ya nyoso Yahweh, 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 Totomboli, Yahweh nanga, Likolo na nyoso, Totomboli yo, Totomboli yo, Yahweh nanga, Likolo na nyoso, Totomboli yo. Jésus, Jésus, Colonna Nyansa. Jésus, 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 tu es élevé, Licolo. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de nos problèmes. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de nos défis. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus des célibats, au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Totomboliyo, Totomboliyo, Yahweh, Yahweh, Kolona
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Alobi salaparnayo ye aza constant ako salaparnayo. Il a dit, il me dit de te dire, fais ta part. Il est constant, il va faire sa part. Fais tout ce qu'il te dit de faire. Salanyo soya sengyo ko sala. C'est-à-dire, obéis ses principes. Tosa na miango na ye. Et ye. Et lui, il fera sa part. Il n'y a rien qui est difficile pour lui. C'est lui qui a fait sortir de David dans la brousse. David na Zamba. A côté na trône na palais du roi. Il a amené sur son trône au palais du roi. Il n'a pas encore changé. Il a les capacités. Il a changé statut na ye. De changer ton statut. Fais-lui confiance. Ainsi dit l'Éternel, fais-moi confiance. Je suis ton créateur. Je suis le créateur de tout. Tout répond à mes ordres. Fais-moi confiance. Obéis seulement à mes principes. Yo to saka kamibe konangai. C'est pas encore trop tard. Tango nanu le kite pona yo. C'est pas encore trop tard. Tango nanu le kite pona yo. Azazambe, il est Dieu. Oyo. Azok saka bambula. Oyo ba sauterelle ba siba dévorer. Il est le Dieu qui restaure les années dévorées par les sauterelles. Ne sois pas triste. Non. Ne sois pas triste. Tu peux nous voir assis là, nous deux. Dans mon côté, j'ai passé des doux moments. Dans son côté, elle a passé aussi des doux moments. À un moment, Mutomoni Oyobalobi, moi c'est Kitoko, mais abandi côté Katombola. Tu ne peux pas croire, mais c'est ça la vérité. Elle vendait la friperie Ronzi Maté, mais avec son fils Sodo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu peut changer ton témoignage. Dieu peut changer ton histoire. Alléluia. Fais-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis ce soir. Lèvons-nous tous. Alléluia. Tel que tu rentres, tout ce que nous avons appris à écouter, le Saint-Esprit, Asungayo, qu'il puisse t'aider. Pour les mettre en pratique. Je prie pour toi. Tu reviendras témoigner la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. De tout mon cœur, je vous bénisse. La vie est spirituelle. Malgré que tu es dans la vision de Dieu, mais il y aura des défis. Mais il a dit, Kasiya lobi. Ceux qui sont nés de lui sont victorieux du monde. Les mots balonga kamokili, ce n'est pas longa une fois, et ça continuel. C'est une victoire continuelle. Défi oyo ya okolonga, mususu ye okolonga. Kaka denge wana. Ngoluana elata yo denge ozokene. Ngoluana esalisa yo denge ozokene. Ngoluana ekanga pona yo. Ngoluana eperfectionne vina yo. Dengue sali ya biso et azo continuer kokoba ko sala lo lenge wana et continuer me ko passion perfectionner vie na yo au nom de Jésus. Va avec cette force et zonga na témoignage et ramène ton témoignage au nom de Jésus Christ de Nazareth au Sambeli. Amen. Amen.